Mes petits culs et bienvenue pour cet épisode d'un nouveau let's play d'une mini-série pour utiliser le nouvel add-on Heure de Gloire. Alors évidemment, comme tout le monde, hein, je crée un nouveau personnage comme tout le monde, je le fais emménager à Del Sol Valley et comme tout le monde, je vais le lancer dans une carrière d'acteur. Moi, pour le coup, j'ai fait un mec parce que j'ai vu énormément de filles, ce qui est normal, je comprends, et je me suis dit bah, pourquoi pas, moi, pour une fois, je vais faire un gars. Et vous avez vu sa fabrication de Ibrahim Saïdi, qui a envie de devenir acteur, mais pas que. Hein? Il a envie de devenir surtout une célébrité, il veut être adulé, aimé, et surtout aimé. Ça, je ne vous cache pas. Je vais vous faire visiter rapidement cette petite maison qu'il a eu, qu'il a acheté sur ce grand terrain. Il a acheté ce grand terrain-là. Alors, il aurait pu vendre les meubles, enfin les meubles, les plantes et les arbres et compagnie, mais je n'ai pas voulu, je lui ai dit non, Ibrahim, tu gardes ça parce que c'est joli. Et on fait la petite maison avec ce qu'on a. Dans cette petite maison, donc, nous avons cette porte d'entrée qui fait partie du, de la donne Gate Famous, Heure de Gloire. On va rentrer, alors c'est un peu, c'est, voilà, il n'y a pas grand chose, c'est un peu spartiate, hein. On a fait avec les moyens du bord, sachant que le terrain est assez cher. Nous avons un semblant de cuisine, sans évier bien sûr, je n'utilise pas les éviers, une table et deux chaises, au moins il pourrait inviter une personne. Les fenêtres sans rideau, parce qu'il n'y avait pas assez de sous, les fenêtres sont de la donne de Gate Famous, Heure de Gloire. Nous avons ici une petite porte d'une petite pièce et les chiottes. Et oui, il faut bien sustenter les besoins de ce côté-là. Et ici, nous avons encore une mini pièce et c'est une douche. Pourquoi deux pièces et pas une? Parce que je me suis dit pourquoi pas. Et ici, nous avons un miroir de la donne saison. Nous avons un petit punching ball pour qu'il entretient son physique. Et nous avons un grand lit de la donne saison parce qu'il a mis le budget dans le lit. Voilà, il voulait budget dans le lit et une caisse pour en guise de table de chevet. C'est vraiment très spartiate, hein. Mais le but aussi, ce sera peut-être d'améliorer la maison ou encore mieux, de déménager dans une maison de rich people. Et voilà, on va commencer tout de suite le let's play avec Ibrahim. Alors, pour commencer, on s'est rendu au bar karaoké des Starlight... Starlight Avenue que nous voyons ici. On peut pas rentrer, j'imagine. Dessiner l'exigence de notoriété. Ici, nous avons 3 étoiles. Ok, tu vas avoir interaction videur. Tu vas déjà te présenter amicalement à monsieur le videur qui est d'autre que Marcus Flex, que l'on connaît bien, je pense. Ah, il te parle pas en fait. Il te calcule même pas, le gars. Comment s'est passée la journée? Est-ce qu'il l'écoute même pas? Ah, tiens!
Non, lui, c'est un fan, donc on va pas lui parler. Marcus est sans emploi, mais je croyais qu'il était videur. Hey, meuf! Tentez de se présenter. Attends. Elle est venue là, elle veut me parler. Tentez de se présenter. Il y a moyen que tu lui parles à elle, amicale. Ah bah voilà! Il est sorti, on peut rentrer? Ibrahim, qu'est-ce que tu fais? Même, tu t'en fous, tu lui parles plus à lui, tu parles à elle. Non mais vas-y! Fais pas ton fan hystérique, hein, mon gars! D'accord, triste. Accolade rejetée. Vas-y, meuf, connasse. Ouais, bah vas-y, tu veux. D'accord, tu joues à ça. Ok, on a compris. Et sinon. Mais c'est un gamin, hein, tu t'en fous, hein. Et elle, c'est juste une. Ouais. Voilà, très bien. Tu commences bien ta life comme ça, mon petit Ibrahim. Bravo, bravo. Et elle, là, elle est habillée comme dans le Decade Challenge, quoi. Octavia Moon. Célébrité de série B. Ouais, je suis pas sûre que ce soit. Qui es-tu, jante demoiselle? Tu es Kyla Fleming. Tu vas te présenter aussi à elle. Si elle le veut bien. Elle, en plus, elle est mignonnette, quand même. Mais arrête! Arrête ton délire, mon gars! Elle s'en fout, toi, rien, comment elle te méprise et tout, gars. Demandez un selfie, allez. Vas-y, demande un selfie, ce sera toujours ça prêt. Ah, elle veut bien! Sympa, merci, madame! C'est sympa! Tu vas demander un autographe, mais bon, ça me plaît pas trop ce que tu. Ça va. Ah, on a même pas une vraie photo en plus! C'est nul! Mais arrête de te comporter comme ça, mais la honte! Ah tiens, il y a Bella. Il y a surtout elle, quoi. Superstar mondiale, j'ai dit toi. Genre, les superstars mondiales se baladent bien sûr dans la rue. C'est connu. Oh, mais il sait qu'il a réussi à se présenter auprès de cette jeune demoiselle. Laissant donc qu'elle est dévossée, non? Complimenter l'apparence. Ah ouais! On n'a pas le droit de faire plusieurs fois les interactions, quoi. Ok. Rien à foutre de toi, mon gars. La grosse biatch. Complimenter l'apparence, vas-y. Va la complimenter. Mais, ah non, il l'a dans son répertoire, mais il peut rien faire avec. C'est dommage. Oui, sinon, et Marcus. Ah, c'est plus Marcus. C'est Reed. Amical. Présentation amicale, vas-y. Il faudrait peut-être qu'on. Ah, mais attends, il y a la meuf là. Il y a la meuf qu'on connaît. Ah non, c'est pas celle-là. Oh, bah, je sais pas. Je ne sais plus. Bon, tu. Ok, allez, on va rentrer à la maison, mon gars, et on va s'occuper de toi. Alors, on va bien sûr le lancer dans la carrière d'acteur pour l'instant. Ah ouais, quand même, 640. On doit avoir genre, une agence de talent, très bien. Agence fantastique figurante, que le visage en tous les plans larges et une faute Bienvenue dans la base de données de l'agence de recrutement individu authentique. Nos algorithmes avancés sont déjà en train de comparer votre niveau de talent, vos caractéristiques physiques, vos résultats scolaires, de votre espérance de vie, votre réseau qui sont disponibles. Veuillez remplir et nous renvoyer immédiatement le formulaire suivant pour nos dossiers. Accord de confidentialité, conditions d'utilisation, contrat de licence d'utilisateur final, procuration et copie de votre permis de conduire si applicable. Eh ben dis donc! Exigence pour la promotion, ok. Il demande rien de particulier. Consultez les auditions disponibles. Ah, il doit faire ça sur son téléphone. D'accord. Ok, je vois, je vois, je vois. En avant la musique, publicité mousse salée. Ouais, c'est ce que tout le monde fait. Niveau 2 de la conversation, mousse guitare. J'ai pas de guitare. I don't have a guitar. On va prendre la pub. Parce que j'ai pas la thune d'acheter une guitare. Bon, on va le faire un peu travailler niveau 2 de la compétence charisme. Ok, très bien. Voilà, compétence jeu d'acteur qui commence.
Ah, j'ai oublié de mettre une poubelle aussi, je suis en train de penser. Tant pis. Allez, mon gars, tu vas y arriver, tu vas être le plus beau mec et le plus connu de tout Del Sol Valley et du monde des Sims. Ouh là là, ça va pas trop. Bonjour! Bienvenue dans le quartier. Ah, les voisins. Invitez les voisins. Ouh, mais c'est de la belle meuf, hein. Allez, dépêche-toi. Présente-toi, tout ça. Ah, bah, il y a elle aussi. Ah! Viens chez moi. J'habite pas chez une copine. Présentation amusante, voilà. Remercier d'être là. Présentation amusante. Bon, bah, du coup, maintenant elle fait partie de nos amis, la petite Vanessa. Qui est donc celle qu'on voit dans le trailer d'annonce de cet ado. Bon, ça avance bien avec la petite Vanessa au niveau de la discussion. Et il se fait chier de ouf. Ah ouais, il se sent assez bien pour lui filer les clés quand même, hein. C'est plutôt pas mal ça. Allez, tu vas surtout flat là, discute, c'est intéressant. Elle est plus connue que toi, donc on en profite. Enfin, seul Ibrahim, vas-y. Maintenant, il va falloir. Oh, demander de vivre ensemble déjà. Allez, tu vas lui complimenter l'apparence déjà. Au moins, ce sera déjà. Ça te fait. Tu as demandé si elle est célibataire? Tu es magnifique. Mais est-ce que tu as un chéri d'ailleurs? Parce que bon, une si belle fille que toi ne peut pas être célibataire. On est d'accord. Est-ce que Flouf? Elle est célibataire, technique drague. Est-ce que tu es descendu? Oh, elle est facile cette fille. Elle est facile un peu sur les bords, hein. Allez, Ibrahim, embraye. Voilà, ça va bien comme ça. Elle est facile à avoir, cette petite fille. Demande-lui son numéro et bisous! Bisous! Bisous tout court! Allez! Emballé, c'est pesé, mon petit Ibrahim. Là, on est bien. On va refaire un sacré bisou quand même. Voilà, tu l'embrasses et hop, crac-crac avec Vanessa. Vanessa, pardon. Et c'est parti, mon kiki. Et ça va remonter sans divertissement. Voilà, mon grand. Ta petite récompense. Fais-toi plaisir. Elle est là pour ça. J'ai entendu parler de ta... Oui, bah oui. Et maintenant, le divertissement est au top. Eh ben, c'est super. Tu vas t'entraîner à frapper. Après, tu iras jeter. Après, tu iras prendre une douche méditative. Tout un programme. On va bosser sur ton jeu maintenant. Oula, ça l'état. Mais tu vas avoir ton jeu d'acteur. Ouais. Vas-y, va manger ton truc. Et dodo. On va y arriver, mon beau, on va y arriver. Il va être l'heure d'aller à son audition. Allez, vas-y, mon petit. Je crois en toi, tu as eu tes skills. On a bien sûr travaillé. On est même au niveau 3 de la compétence charisme. Voilà, on a bien bossé. Audition réussie. Bien sûr, félicitations. Vous avez obtenu le rôle de porte-parole des pirates. Déjà, tu vas continuer à te jouer. Les algorithmes de placement ont prédit avec succès que vous passerez facilement pour un humain violent et négligé, maîtrisant à peine sa propre langue. Très bien. Niveau 2 de performance à jeu d'acteur. Ah, alors, développer la compétence, j'ai tout juste commencé. Développer la compétence, charisme, pas commencé. Vous inquiétez pas, ça sera fait. Wow, ça commence bien ce rencard, dis-moi, avec elle. C'est sympa, tu peux du coup... Est-ce que vous pouvez faire des trucs? Vous pouvez pas faire crac-crac quelque part. C'est dommage, il n'y a pas un placard parce que là, son divertissement, il est un peu en berne. Ouh, c'est pas grave, on va en ajouter un. Maintenant, placard, il y a. Faire crac-crac avec Vanessa, plus notoriété. Oh, c'est sympa en fait, faire un bébé avec Vanessa. Ouais, non, on va juste faire crac-crac avec elle, hein. Oh, on s'en fiche, hein. Nous, elle nous sert juste parce qu'elle est un peu connue et que ça nous arrange qu'on nous voit avec elle, hein. Voilà.
Et il se passe des choses là-dedans. Bon, Ibrahim, tu pues la mort, mais... Yabo Poifu! En Yabo fait, Sebrim! jouer une scène d'amour pour obtenir des Rimo pouvoirs et un plus notoriété. Ce qui est dommage, c'est qu'il pue. Donc, j'espère en tout cas que ça va fonctionner. Image publique, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas du tout connu. C'est juste un rancard. Allez! Rappel, nous avons fait des tas de statistiques, tous les rôles que vous avez travaillé. Vous avez beaucoup de succès. Très bien, super! Ah, c'est ça, leur scène d'amour? C'est un peu nul, hein? C'est un peu nul. Tu vas faire. On va s'occuper de toi, Ibrahim, et puis on reviendra à Vanessa après. Allez! Ça y est, il y a deux personnes qui vont regarder nos scènes d'amour. Allez, vas-y. Comme ça. Allez, allez, on se prépare. Je vais mettre les murs, c'est plus joli. Devant les chiottes, c'est juste génial, quoi. Allez, on fait une scène d'amour en mode devant les toilettes, quoi. L'amour devant les toilettes. Qu'y a-t-il de plus romantique au monde? Et du coup, là, en mode... Vous voulez me donner de l'argent, s'il vous plaît, messieurs, dames? Venez, ça. Embrasse les mains. Oh, punaise. Ah, j'ai reçu des sous! J'ai reçu des sous. Zut, comment on fait? Le chemin de la gloire. Ouh, attendez, attendez. Les Sims peuvent maintenant devenir des célébrités. Il y a plusieurs façons de... Oui, plus notoriété. Oh, j'ai obtenu 20 Simflouz, mais c'est trop bien. Et puis, pour l'instant, on n'a pas de point de notoriété. C'est bien dommage. Mais c'est pas grave. On va y travailler. S'entraîner à chanter. Allez, mon grand. Ah, tu fais peur. Ouais, et puis, comment ça faire? Ah, t'as froid, mon petit. Vas-y, viens ici. Ah, mais il y avait une guitare. Qui c'est qui l'a piqué? Oh, j'ai eu des sous! Alors, par contre, je change juste de tenue, sinon tu vas mourir de froid. Et ça m'embêterait un petit peu. Ah, ça y est, Ibrahim a sa première fan qui lui donne de l'argent. Il chante tellement bien et on n'est pas du tout en mode bourré. C'est ça qui est magnifique. Oh oui, ils sont beaux les murs. Oh là là. Ouh là 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 là. C'est magnifique, Ibrahim. Ibrahim, tu chantes tellement bien. Tu me tues. Regarde, elle va te donner des sous. Regarde, regarde, regarde. Oh, des sous! Oh putain, il chante trop mal. Mais la foule s'amasse devant moi. Oh, salut Marcus! Mais j'ai gagné des sous! Je vais pouvoir m'acheter des choses! Oh la vache! Qu'est-ce qu'il chante mal, c'est horrible! Peut-être que je vais arriver à... Oh, et encore le temps avant d'arriver à un second niveau. Bon, comme on a l'audition, on a le truc à faire. Ah non, je dois développer mon charisme. Oh, zut! Ah ben allez, on va flatter. Elle arrête ça et on va flatter toutes ces dames. Allez, Ibrahim, au taf. Oh là là, la célébrité, c'est, ça devient dur à gérer tout ça. Allez, rentre chez toi, mon beau. Oh, les choses se compliquent. On va rejoindre et on va aller le gérer sur le tournage. Et ça, c'est cool. Mais quoi? Mais moi qui m'inquiétais de ne pas le faire manger avant le boulot, il y a plein à manger ici. Mais c'est formidable. Oh là là, alors, nous avons beaucoup de monde. Et il y en a qui... Ah, c'est des figurants. Responsable effets spéciaux. Hop, toi tu fais quoi? Tu es la productrice. Ah oui, la productrice est intéressante quand même. Elle, figurante. Figurant, producteur Youssef, ok. Allez, dépêche-toi, Ibrahim. Un petit peu de fond de teint par ici, un peu de poudre par là, un peu de blush. Ouh là là, ça c'est la laque. Ouh là là, on voit plus rien, madame. Et on ressemble à quoi maintenant? Oh, pour l'instant, on n'est plus beau. Ah, mon Dieu, elle coupe nos cheveux. Non! Non, mais on est beau gosse comme ça, madame. Le zoom fonctionne. C'est un peu flippant. Oh! Oh! Le beau pirate que voilà. Ah, oh, Ibrahim! Tu es méga beau gosse. Regardez-moi ça. Il est magnifique.
Regardez-moi ce beau gosse, t'as vu, il fait du charme à tout le monde. Four. Bon, il va être l'heure, donc tu vas peut-être te mettre à bosser quand même, parce que là, sinon, ça va pas être possible, mon beau. Allez. On le fait en risqué. Arg. Yard ahoy, boo. Ok. Vas-y, enchaîne, mon beau. Et après, on va... Ah, ça y est, la serpillière, c'est ici. Essuie risqué. Tout va bien se passer. Ouh là là! Restez sur le terrain. Ben oui, parce qu'on n'a pas fini. Oh mince! Et t'es promu figurant. Ouais, ben il a... Par contre, il a perdu son habit, mais c'est pas grave, on va continuer à faire travailler. C'est mieux que rien. Bon, on va pas partir comme ça. Tu vas manger et tu vas te faire plaisir. Franchement, on déconne pas avec la bouffe. Félicitations, prénom. Vos compétences ont été suffisantes pour réussir à peu près une publicité à petit budget. Vous recevrez une somme négligeable pour votre tentative de jouer un rôle. Mais utilisez cette compensation pour vous nourrir et améliorer vos compétences. Oui, chef! Donc, nous avons le choix maintenant entre les médicaments précliniques et les outils Vladislaus. Niveau 2 de la compétence du bricolage, niveau 2 de la compétence comédie. Ah, parce qu'en plus, on doit développer de plus en plus de compétences. Je trouve ça vraiment pas mal. On va... La comédie, c'est peut-être mieux. On va prendre ça. Peut-être qu'on a déjà... Oui, comédie, on a un peu commencé. Donc, on va continuer à en profiter d'avoir tous ces gens autour de nous. Allez, Ibrahim, ton audition. Ta seconde audition. Appelle-la. Je vais amener ça pour qu'elle vienne. Là, ton audition va commencer. Il faut remonter ton divertissement. Tu dis conne, quoi. Allez, va manger un truc en attendant qu'elle arrive. C'est bon, elle est là. On n'a pas le temps. Oh, on n'a pas le temps. Et hop. Voilà, faut bien remonter. Ah bah non. Il n'a pas le temps de remonter son divertissement. Juste un peu. Il a trempé le kiki et il est parti. Audition réussie. Donc, point de produit de la vie pour les médicaments précliniques. Insérer message, félicitations 04. L'heure du tournage est planifiée. Évitez de tourner jusqu'à la fin du tournage. Explorer l'émotion joueuse. Développer la compétence comédie. Ok. Et c'est pour. Commence demain midi. Ok. Et bien, tu vas venir ici prestement. Tu vas. Alors, il a mangé sur place. C'est génial. Tu vas la réveiller. Allez, dépêche-toi. Et hop. Cette fois-ci, tu fais pas que tremper le biscuit. Tu y vas à fond avec le rouleau à pâtisserie. Et ça lui fait remonter son divertissement. Et ça, c'est cool. Ouais. Merci, Vanessa. Grâce à toi, on a complété nos préparations. Et voilà. En plus, il est encore super en forme. Donc, c'est cool. On va pouvoir améliorer le reste de ses compétences avant d'aller faire l'autre tournage. Et c'est reparti pour un nouveau tournage. Tournage! Et bien sûr, on l'accompagne, faut pas déconner. Toujours au même endroit, le studio, il pleut, on va pas tarder à faire ce qu'ils doivent faire. Donc, se faire coiffer et maquiller. On va y aller tout de suite. Et ensuite, on va se faire habiller pour le contrat. Voilà, voilà, voilà. On y arrive. Du fond de teint, du rimmel. Ah oui, en plus, il en a. Qu'est-ce qu'il est beau gosse! Oh putain! Lumière. Oh là là, non, ça lui va pas du tout. Non, je n'aime pas. Ouais, c'est pas, ça lui va pas super bien, mais c'est déjà mieux. Ça, c'est clair. Fichtre, c'est un hot dog. Mais je le reconnais pas du tout, mon beau gosse de Sims. Hein. Ah, le petit médecin qui va bien. Ok, on est bien. Tu vas t'entraîner à jouer. Du coup, ce qu'il y a un miroir ici pour être parfait. Et nous avons une covedette. Covedette qui est pas terrible, mais qui est Angel Trivedi. Et donc, on va essayer de la discutailler un peu de plus près. Et on peut même répéter la scène avec la covedette. C'est sympa. Devant la styliste, genre comme si c'était elle qui pouvait juger de la qualité, quoi. Allez, un petit bonjour, un petit compliment. Mais où est-ce qu'ils vont? Oh là là, ils sont buggés. Un petit compliment dans la salle de style. Et puis on va pouvoir commencer le tournage.
Et voici la Seine. Ah, c'est sympa. On s'y croirait. Est-ce qu'on ferait pas un écran vert un peu plus urbain? Voilà, il pleut, tout ça, c'est bien. Raconter une blague risquée. Allez, ça on peut pas. Et soigner un passant sûr, soigner un passant risqué. On va tous faire en risqué. Et là, cette fois-ci, on va pas être coupé en plein au milieu parce que mon Sims n'a pas bugué. Allez, Ibrahim, c'est à toi. Yips, yips. Et vous avez capté la référence ou pas? Ça, c'est bon. Ah, il a l'air d'être content, lui. Alors, on va faire celle-là. Il va soigner la patiente. Mimi, mimi, mimi. Allez, c'est parti! Ah, c'est trop sympa. Et la caméra! Oh, trop bien! Et maintenant, on va montrer le produit en risqué aussi, puisque nous tentons, comme on a bien travaillé, Ibrahim est plutôt pas mal. Et ben voilà, on est bien donc. C'est trop drôle. Yips, ouais! Produit de l'année! Et on a fait ce qu'il fallait et on est parfait! Mais on ne va pas quitter le plateau sans draguer notre covedette. Vas-y, raconte une blague salace. Je pense que elle est prête à être cuite. Regarde-moi ça, on la connaît à peine, elle en peut déjà plus. Elle t'aime trop, elle est trop fan de toi. Wouh! Niveau or, 450 Sims plus de gagner, notoriété gagnée, 2 étoiles. On va rester un peu sur le terrain. Ah, mais on voit à quoi elle ressemble en la vraie vie, la petite. Bon, elle n'a pas changé de vêtements par contre, c'est un peu bizarre. Vedette débutante! Oui, Ibrahim a commencé son chemin vers la célébrité. Il a obtenu son tout premier point de notoriété à conserver pour plus tard. Les points de notoriété permettent d'acheter les avantages de notoriété dans, s'il vous plaît, dans les panneaux informations sur la notoriété. Cela dit, avec cette nouvelle notoriété, punaise, ça y va, notoriété, 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 on a compris, hein. Il est susceptible de développer une spécificité de notoriété, une bizarrerie comportementale déterminée par ses actions. Mais quels sont donc les traits de bizarrerie que notre cher Ibrahim pourrait choper? Si vous avez une idée, eh ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On a un point de célébrité à eh ben, utiliser. Remarquable, possibilité de vendre plus d'autorité grâce aux compétences et aux carrières. Facilité à se créer un réseau de socialisation plus facile avec les Sims plus célèbres. Partenariat avec les entreprises. Ça, c'est surtout pour les blogueurs. Moi, je veux faciliter à se créer un réseau. Allez, go, c'est parti. On est bien. Ibrahim, il est à fond. Tu vas un peu embrasser les mains de cette jeune fille, s'extasier sur les chanteurs préférés et puis discuter des centres d'intérêt. Tout ça. Et tu sais ce que tu vas faire, mon petit? Tu vas la draguer ouvertement. Et puis je voulais surtout lui demander son numéro de téléphone à elle, mais je pense que on n'a pas besoin. Voilà, échanger le numéro de téléphone et on va se quitter là-dessus après. Allez, un petit premier baiser. Allez, mon beau. Personne regarde, de toute façon. Personne regarde. Non, en plus c'est vrai, personne ne regarde. Donc c'est bien. Et voilà, pour Ibrahim, c'est commencé. La vie de star va commencer. J'espère en tout cas que ce premier épisode de cette mini-série vous aura plu. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite de... Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, cette mini-série. Allez, je vous embrasse, salut.